Bonjour Michel. Bonjour Anne-Marie. Ça n'a pas l'air d'aller. Ben non, il n'y a rien qui marche. Mais si, tout va très bien, vous avez tous vos trucs là. Ben oui, on a tous les trucs, puis il n'y a rien qui marche. On va peut-être pouvoir s'arranger quand même, non? Eh non, il n'y a rien à faire. Quoi, s'arranger avec quoi? Avec du jambon, un sandwich. Du jambon, on va, tiens, tiens, du jambon au lait. Et les œufs, qu'est-ce que j'en fais? On va les gober. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va vous montrer comment on gobe des œufs. Il y a sûrement moyen avec du lait. Il n'y a rien qui marche. Mais c'est pas vrai. Bon. Bon, allez, on va rattraper le temps. On n'est pas là pour s'amuser. Mais c'est pas vrai. On ne peut pas rare. La récupérer. On la laisse se baigner les pieds dedans. Bien. Je ne comprends plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais tout va bien. Alors aujourd'hui, Anne-Marie, il faut... Non, il faut qu'on arrête de faire les imbéciles. Alors aujourd'hui... Alors bonjour, on recommence tout à zéro. Bonjour. Mesdames, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs. Aujourd'hui, on fait des crêpes soufflées au fromage. Ah oui, bon. Un poème. Oui. Alors, Anne-Marie, pour commencer, on va parler des ingrédients. Oui. La tranche de jambon, on n'en avait pas besoin, là, donc on n'a rien perdu. Et le lait? Le lait, on va en avoir besoin, mais il va avoir pris le goût de jambon, ça va être formidable. Alors, ces crêpes, pour les faire, Anne-Marie, il faut donc faire un mélange pour faire les crêpes. Le mélange traditionnel, je l'ai fait là pour prendre un peu d'avance, parce que faut qu'on arrive au bout de la recette. Mm-hmm. Alors, là-dedans, il y a du lait, il y a de la farine, il y a 50 grammes de farine, 12 centilitres de lait. Enfin, la pâte à crêpes. Un œuf, hein. Un demi-jour de lait, la pâte à crêpes. Mais surtout, il ne faut pas mettre de sucre dedans. Non. Hein? Du sel, par contre... C'est indispensable. Et puis, des fines herbes. Des fines herbes. Voilà, bien. Alors, la pâte à crêpes est en fait... On va faire les crêpes devant vous, quand même. Oui. Et puis, après, on va faire le mélange qui va les farcir, le mélange soufflé. Voilà. Alors, ce mélange soufflé, on fera, pour le faire, on fera une petite sauce béchamel avec 20 grammes de beurre. Oui. 20 grammes de farine. 20 grammes de farine. Voilà. Et le lait. Et 20 centilitres de lait. 20 centilitres de lait. Qui aura le goût de jambon. Qui aura le goût de jambon. Dedans, on mettra du sel, du poivre, un petit peu de noix de muscade. Et puis du fromage, 60 grammes de fromage, on en mettra 50 grammes dans la béchamel, et puis les 10 autres grammes qui resteront, on les éparpillera sur les crêpes. Eh ben, alors le jambon, on n'en a pas parlé quand même, parce qu'on va l'utiliser. Oui, puisque le jambon, on le mettra, on n'est pas obligé de le faire, mais enfin c'est charmant, on le mettra entre la crêpe et le mélange soufflé. D'accord, enfin, soufflé, très bien. J'espère qu'il soufflera. Voilà. Alors allons-y. Alors Anne-Marie, pour commencer, on va faire le roux, c'est-à-dire le mélange du beurre fondu et de la farine. Oui, hein? Béchamel. Je vais en même temps faire bouillir le lait, les 20 centilitres. Sans le jambon. Sans jambon. Voilà. Parce qu'on est gamin quand même. Bon. Parlez pour vous, moi je suis très sage. Raisonnant. Voilà, et alors, pendant que tout ça chauffe, eh bien, on va pouvoir faire nos crêpes. Alors, pour cela, je vais hacher un petit peu de fines herbes pour ajouter dedans. Hein. Oui, ça va être bon. Oui, ça, c'est meilleur. Pour une crêpe salée, c'est meilleur. Vous pouvez bien hacher les fines herbes. Et vous pouvez faire ça longtemps, vraiment? Écoutez, ça dépend des jours. Il a fallu des années. Il a fallu pas mal de temps, parce que j'étais pas tellement douée. Voilà. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Voilà. Il avait crevé un pneu et un boyau et il réparait. Voilà. Bon, alors, donc ça, c'est notre petit mélange pour faire les crêpes. Les donc, crêpes vous voyez. Avec les fines herbes, et le persil. Avec les fines herbes. On va mélanger tout ça. Oui. Je vais verser ma farine en pluie sur le beurre pour faire le roux. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, que tout le monde sait faire. Alors, donc.
ça, je vais l'arrêter. Et puis, nous allons faire nos crêpes, maintenant, tout simplement. Hein? Voilà, alors nos crêpes, des poils à crêpes. Oui. Oui, elles prennent tout de suite, là. Oui, elles prennent tout de suite. Enfin. C'est rien du tout à faire. Hein? Oui. Alors, vous voyez, il n'y a même pas besoin... Qu'on... Bon, avec ça, ça évite de faire du bruit quand on la retourne. Voilà. Oui. Ça, c'est la première. Hein? Après... Joli. Bon, alors donc, je vais finir le... ma sauce, là, béchamel. Entre deux. Alors, je verse le... les 20 centilitres de lait dessus. Ceci. Et on va obtenir une espèce de sauce pâteuse dans laquelle on ajoutera le fromage. Voilà, le fromage est là. Oui. Oh, pardon. Ah, très bien. Alors Anne-Marie, nous allons ajouter à cette sauce béchamel du sel, du poivre, bien sûr. Voilà, poivre, de la noix de muscade, comme ceci. Quand on n'a pas de râpe, on fait, on fait avec le couteau. On fait attention quand même de ne que... pas s'accrocher les doigts. Voilà, pendant ce temps, je vais quand même enlever mes crêpes. Elle n'est pas tout à fait cuite. Vous disiez, c'était pour combien de personnes, là, quand vous... Pour 6 personnes. 6 personnes. Mmh. Alors, vous mettez... Ah, ben, je vais faire 6 crêpes. Je vais faire une crêpe par six personne. Crêpes, voilà. Voilà. Alors, là-dedans, je vais ajouter 3 jaunes d'œufs. Vous vous rappellerez, Anne-Marie. 3 jaunes d'œufs. Alors, les 3 jaunes d'œufs, non, je vais les casser là-dedans, parce que les blancs d'œufs, je vais les monter pour faire le mélange du soufflé. Ah, je par conséquent. Ce truc-là. C'est beau. Alors, quand on met le jaune d'œuf là-dedans, il faut remuer parce que sinon... Sinon, ça cuit. Il cuirait, voilà. Hein, il cuirait, on aurait des petits problèmes. Après, on peut faire cuire quand il est bien mélangé, mais pas avant. Encore un. Alors, je vais remettre sur le feu à cuire pour que ce mélange épaississe un mais petit peu. Mais une fois alors, donc, que les jaunes sont bien mélangés. Sont bien mélangés, voilà. Donc, jusqu'ici, c'est pas tellement difficile, hein, non. Marie hein. Jusque-là, voilà. Et puis en plus, j'ai tout compris. Alors, vous voyez, en rajoutant les jaunes d'œufs, Anne-Marie, et en cuisant, on a un petit peu l'aspect d'une crème pâtissière. C'est vrai, oui. Hein, vous voyez ouais. Là, voilà, hein, on a un peu l'aspect de la crème pâtissière. C'est un petit peu le beurre cherché. Zut, j'ai fait tomber un peu oui, de jaune. Alors là, ça c'est dramatique parce que. Non, ça y est, réparé. Non, parce que quand il y a du. Enfin, c'est pas. On va s'en j'ai sortir. J'ai fait la bêtise, je vais m'en tirer. Oui. Non, parce que quand il y a du jaune dans le blanc, oui, monte pas. Ça ne monte plus. Hein. Alors. On peut monter les. Avec les la... blancs d'œufs avec n'importe quoi. Oui. Hein. On fait ça parce que. Comme ça, ça permet de faire croire à tous nos amis qui nous regardent. On est capable de le faire à la main. Alors, vous savez, quand les... Je veux dire quelque chose, quand les blancs d'œufs sont très frais, parfois, ils grainent. C'est-à-dire qu'ils montent, ils ne sont pas complètement lisses quand ils sont montés. Alors, au départ, on peut ajouter ou un petit peu de sel ou un petit peu de citron. Anne-Marie, vous voulez me reprendre? Oui, vous, je veux vous bien. Tapez un peu dedans comme ça. Pendant ce temps-là, je goûte la sauce, si elle est bonne. Mmh. Très bonne. Je rajoute un petit peu de sel. Ça, il faut... Mon fromage. Quand ça. Ils sont durs comme ça, ça fait dur, hein? Ah, oui. Ça. Moi, je fais ça... Non, il faut que ça soit bien monté, un blanc d'œuf. Hein. C'est très important. C'est pour ça que beaucoup de femmes ratent leur soufflé. On a des machines. Oui, non, mais encore faut-il savoir s'en servir de la machine. Il faut toujours que ça soit très bien voilà. Monté, même pour les meringues. Oui, 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 absolument. Allez, tournez comme ça. Ah oui, mais ça va, Anne-Marie? Faut bien. Allez, je mets le restant. Pardon, c'est dur, hein? Oui, c'est vrai, c'est très dur.
Non, évidemment, c'est plus facile de faire ça avec le petit instrument électrique. Enfin, c'était bravo. Pour montrer à nos amis qu'on peut le faire comme oui, ça. Oui, bien hein. sûr. Voilà, c'est bien mélangé. Là, c'est bien. Oui, voilà. C'est bon, on va alors... donc terminer nos crêpes maintenant, Anne-Marie. Oui. C'est-à-dire que nous allons les mettre sur la planche, comme ça. Oui. Et puis, parce que le jambon, on ne va pas s'en servir simplement pour tremper dans le lait. Bah, je crois. Oui. On va s'en servir pour mettre à l'intérieur de chaque crêpe, comme ça. Comme voilà. doublure. Voilà, exactement. Voilà. Tenez. Comme ceci. Voilà ce qui reste. Ah bon, pardon. Oui, non, non, on ne perd rien. Oui, parce c'est que... vrai. C'est pas la peine de faire du gaspillage. Ça. Voilà. Très bien. Et alors donc, on va avoir une crêpe au fromage, oui. soufflée au fromage, mais également... Avec le jambon, ah oui, oui. Avec du jambon, bien. Ce qui se marie très bien, vous le savez. Alors, on va les cuire là-dessus, hein. Oui. On va rentrer ça directement au four. Mmh. Là, je mets un petit peu de beurre bon, au pinceau oui. pour éviter qu'elle ne colle. Bien. Bien, alors donc, nous allons mettre le mélange de soufflé à l'intérieur, oui. comme ceci. Une espèce de spatule. Oui, ben on oui. fait ce qu'on peut. Hein. Ça, c'est une invention à vous, j'imagine, non ? Oh non, 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 c'est un... C'est, ça c'est s'appelle un... une corne en pâtisserie, en cuisine. Ah, c'est... Et ça sert à bien prendre ben, tout ce qui traîne oui. à droite, à gauche. Ben. Voilà. Faites pas tomber, hein. Alors, je vais faire pareil pour les trois mais autres. Mais hein. ça doit faire bien une fois cuit. Hein. Ah oui, c'est très bon. C'est, ça, c'est gracieux, c'est bon à manger. Bien, ah, ça va gonfler, oui, oui. Alors, ce qui fait que ma foi, on ne peut ah mettre bah... ça au four que quand les invités... Hélas, oui. oui. Ça, évidemment, c'est ce genre de et cuisine. On a même intérêt à faire toute la béchamel et tout ça. Oui, alors on peut tout préparer, les crêpes, tout ce que je suis en train de faire oui. en ce moment, tout peut être mais prêt d'avance. La mais la béchamel... Si, la béchamel peut être oui. prête avec voilà. le fromage dedans. Mais les blancs d'œufs, il faut les mettre voilà. au dernier moment, bien d'accord. sûr. C'est pour ça que finalement, les cuisines dans la salle de séjour, c'est drôlement bien. Mais oui, d'une certaine façon, certainement. Voilà. Il m'en reste un petit peu, c'est parce que j'ai trop... Enfin, vous avez trop monté les blancs d'œufs. C'est bien, bravo. Vous avez remarqué, pas un mot, j'ai rien dit. Hein. voilà. Bien, alors dessus maintenant, Anne-Marie, on pourrait laisser ça, c'est très joli. Mais comme la crêpe va un peu se sécher au four, oui. on va lui ah. mettre dessus un tout petit peu de beurre, comme ça. Très bien. Et puis, on va ajouter le restant de fromage oui. râpé qui reste. Comme ça. Voilà. Bon. Alors et c'est... combien de temps ah ben, il faut regarder 5 minutes quoi, à oui. peu près. 5 minutes. 5 minutes, hein. Je pense on que jette ça... un œil. On jette un œil, mais ça demande à peu près 5 minutes. Enfin, la dernière fois que je les ai faites, c'est le temps que j'ai mis. Oui. j'ai bon. Répété avant de venir. Mm-hmm. Voilà. Bien. Alors, il n'y a plus qu'à enfourner. C'est parfait. Non, non, pas dans ce sens-là. ça ne tiendra pas. Vaut mieux pas. Voilà. Alors, on compte maintenant 5 minutes. D'accord. Bien. Voilà, Anne-Marie, regardez, venez voir. Voilà, c'est ah, prêt, oui. elles sont belles, elles sont toutes gonflées, toutes... Hein, c'est joli. Voilà. Alors, voyez-vous, Anne-Marie, ces crêpes... Donc, nous avons fait ça avec des crêpes. Mais il y a une version amusante, un petit peu plus bucolique, c'est de remplacer les crêpes par des grandes feuilles de choux. Ah, on prend des grandes... blanchir avant eh oui, on ou prend pas, des grandes oui. feuilles de choux vertes, oui. on les met à blanchir à l'eau salée. Oui. Alors, il faut qu'elles soient cuites, bah, mais pas trop, 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 encore un peu tout croquante. Petit peu croquantes. On les laisse sécher et on fait la crêpe soufflée amusant. Au fromage et au jambon dans une feuille de choux. On a voilà. dit le thermostat de... Le thermostat 220. 220. 220 et 5 d'accord. minutes, vous voyez, il y a 5 minutes. Très bien, hein. juste. Voilà. Bon, et eh ben c'est beau, beau, voilà. beau, beau, beau. Et hein. voilà nos crêpes soufflées. Il y en a une qui s'ouvre sont... un peu, qui était pressée. Qui sont très splendides, beau. Non, elles sont belles. Hein. Oui, oui. Elles sont magnifiques. Extra. Et ça voilà. doit être. Ah oui, c'est léger, c'est merveilleux à manger. Léger comme tout.
Eh bien voilà, notre recette de crêpes soufflées au fromage est terminée. Et au jambon. Nous avons rempli notre contrat une fois de plus. Oui, ça, vraiment, je tiens à vous féliciter de la part de tous nos amis à qui on souhaite bon appétit, bien sûr. En attendant de se faire ces délicieuses crêpes pour le week-end prochain. Au revoir, Michel. Vous pensez toujours prête. Merci. J'ai peut-être une petite cuillère par là. Oh, on a du matériel. Toujours une petite cuillère chez soi.